Bienvenue à tous encore pour une petite vidéo sur les chroniques d'une expérience de mort imminente. Alors merci encore à toutes les personnes qui nous envoient des mails, à moi, l'équipe Radio Rai, pour les conférences de Human Theory. Je vous prépare une très belle conférence sur les ovnis, les extraterrestres, mais sur une vision très différente de ce qu'on peut souvent expliquer dans les médias. Alors j'ai reçu un livre que j'ai feuilleté rapidement comme d'habitude parce que je prépare pas grand chose quand je fais ces vidéos. Et voilà, je voulais vous faire découvrir, c'est déjà un fameux bouquin, voilà, c'est le grand livre des NDE ou Expérience de mort imminente. Qu'arrive-t-il lorsqu'on meurt? Aux éditions Exerge. Voilà. Je vais essayer de faire une photo et de la mettre en fond à l'arrière. Alors, il y a pas mal de choses, je vais dire, intéressantes. Voilà, je pense qu'on parle de l'irrationnel, de l'irrationnel. On parle de la science, des détracteurs sur les expériences de mort imminente. Il en faut, évidemment, le retour après les morts, des questions-réponses, je vois. Alors donc, le prix, je crois que c'est 26 €, mais quelqu'un a enlevé le prix, mais j'arrive à voir 26 €. Donc c'est le grand livre des NDE ou Expérience de mort imminente, qu'arrive-t-il lorsqu'on meurt, aux éditions Exerge. Voilà, je regarde s'il n'y a rien d'autre de particulier. Voilà, donc ça se présente avec quelques petits schémas. Relativement intéressant, je vais le feuilleter, je vais un petit peu voir ce que... voilà, les vies chamboulées, oui en effet, c'est vrai que... Voilà. Donc, voilà, je vous remontre la couverture. Voilà. Voilà, donc, livre certainement très intéressant. Alors, j'ai plusieurs personnes qui m'ont posé des questions vis-à-vis donc des expériences de mort imminente et comme vous savez, j'étudie certaines phrases vis-à-vis des livres religieux ou des citations particulières qui font référence toujours à la mort. Pourquoi? Parce que dans toutes les époques, on a toujours eu la peur, cette appréhension du grand passage. Et dans une citation, il y a surtout quelque chose, enfin il y a plusieurs citations, mais il y en a une qui est intéressante, c'est celle qui cite justement que le salut de l'homme passe par la mort et la résurrection. Dans mes recherches, pour moi, j'ai toujours fait ce lien entre l'expérience de mort imminente où on part dans la dérive mortelle et on passe par un passage, et il y a justement cette forme de résurrection. Une, comme je vous en parle dans d'autres vidéos, une résurrection, je dirais, de vision, de connectivité universelle, où on n'est plus véritablement sous l'emprise des événements du moment sociétaire, grandes difficultés, pauvreté, questionnement. Et vous le savez, actuellement, beaucoup de gens travaillent sur ce questionnement et sur l'ignorance aussi dans ces questionnements. Donc je dis souvent, et rappelez-vous, il y a très longtemps, pour connaître la vérité, il faut aussi savoir d'où l'origine. Savoir l'origine, où je dis souvent aussi, l'ignorance paye l'ignorance. Mais parfois, quand on ne peut pas s'improviser, évidemment, chercheur dans le domaine de l'irrationnel, même si on peut avoir beaucoup de contacts, où il y a une vision des choses, une transfiguration, une assiduité ou une forme de résurrection pour ceux qui ont une expérience de mort imminente, où l'argent, l'ego ou un tas de choses comme ça font que vous laissez ça pour les autres. Et le temps joue un rôle et un facteur important où la vérité, en réalité, émerge inévitablement
des véritables questions et des véritables réponses. Donc l'ignorance paye toujours l'ignorance. Il faut quand même attention savoir qu'il faut pouvoir pardonner dans ce type de résurrection. Il y a des gens qui font parfois un traitement de sujet, mais ils attendent plus l'argent et attirer la curiosité des gens. Mais dans le domaine de l'irrationnel, on ne sait pas avancer à ce niveau-là. C'est pas possible. Il faut jeter sur la table des questions importantes et surtout crédit par rapport à notre évolution, notre existence. C'est pour ça que je n'ai pas toujours parlé des ovnis ni des extraterrestres, parce que je pense que la nature humaine a beaucoup plus d'importance, surtout pour le moment avec le réchauffement climatique, et je m'y tiens toujours. Le réchauffement climatique est un petit peu comme la progression du désert, hein, qui fait en sorte de repousser les peuples. C'est un petit peu ce qui s'est passé il y a, je vais vous en parler de toute façon, dans 5-6 000 ans. Qu'est-ce qu'il y a eu? Toujours les cycles d'air du Verseau qui font en sorte qu'il y a toujours un chamboulement. Bien sûr, l'esprit humain ne peut pas tenir compte toujours des légendes, des citations. Bon, c'est pas toujours facile. C'est un petit peu comme la momification. Vous savez tous maintenant que 2000 ans avant les premières momifications égyptiennes, il y avait déjà des peuples ancestraux qui géraient correctement la momification. C'est grâce à certains artefacts, notamment une momie noire, d'origine de couleur noire, qui a montré que les techniques vraiment tenant compte de l'environnement, de différents matériaux, ont fait en sorte de développer la momification et d'arriver, à cause de l'évolution du désert et de l'environnement qui devenait hostile, a donné naissance à des religions aussi égyptiennes. Hein. Il y a déjà des peuples 2000 ans avant l'Égypte qui adoraient déjà l'homme à tête de chien et ainsi de suite. C'était une forme de croyance importante, ou le développement d'autres peuples qui priaient la lune et puis ont commencé à se tourner vers les prophètes. Il faut donc, vous aurez une vidéo là-dessus, vous inquiétez pas. Il faut donc comprendre une chose, c'est que tout passe par la mort dans le développement, parce que dès que notre naissance et que nous sommes lancés dans la vie, inévitablement, quand la prise de conscience se fait dans l'apport spirituel, mais aussi dans le terre-à-terre et sociétaire, on sait qu'à un moment donné, il faut prévoir pour la mort, l'assurance-vie, le développement, les diplômes, le travail. Donc il y a toute une structure qui fait que justement, nous sommes anticipatifs d'une certaine manière sur l'appréhension du grand départ. Dans les religions, par exemple chrétiennes, on parle aussi toujours de la mort et de la résurrection. Vous avez l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Le Testament est en réalité une forme d'information, et parsemée parfois de mea culpa et de messages d'information, pour désigner un objectif, en l'occurrence une forme de croyance, une forme de perception de la vie et de la mort. Et ça, l'expérience fait que vous prenez conscience que des mots qui vous sont enseignés parfois depuis que vous êtes enfant, tu sais, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran, la Torah, enfin, tout ça, parfois, dans l'esprit d'un enfant, crée une image. Et cette image, c'est tout à fait normal. Crée une histoire aussi, et c'est tout à fait normal, car on a toujours parlé aussi de paraboles, de légendes, de mythes, de croyances. Il faut quand même comprendre que dans le Testament proprement dit, donc la Bible, c'est un tri qui s'est fait au niveau des citations et des historiques par rapport à un événement d'un homme qui a été dans la logique crucifié, mais qui était très proche. N'oublions pas que c'était un charpentier, il était très proche des gens, il connaissait les misères des gens. Il était dans le peuple, c'est un petit peu comme si quelqu'un qui va faire de la politique a besoin d'être dans le peuple pour comprendre le problème malsain qui se crée. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas, c'est plus le fric dans tous les domaines, vous le savez mieux que moi, je ne vais pas y revenir là-dessus.
Mais quand on est proche du peuple, on comprend leur misère, leur appréhension, on essaye de les soulager, on sait les mots, on sait donner les mots. Et si on a une certaine connaissance, une certaine science qu'on a appris ou qu'on comprend, on sait facilement aider sans duper les gens. On aide les gens loyalement, consciencieusement. Il y a des gens maintenant qui dupent, évidemment, avec totalement leur ignorance, en demandant de payer l'ignorance des gens. Mais il y a toujours eu ça dans les époques. Attention, ne jetez pas la pierre à ceux qui ont fauté et qui ont cru voir beaucoup plus haut que les étoiles. Non, il faut savoir pardonner, mais comprendre l'histoire. Certains prennent un chemin financier et qui jouent sur le mystère, la curiosité. On doit s'en prendre pour ceux qui ont cru, évidemment, on doit s'en prendre à eux et ne pas avoir suivi les chemins les plus difficiles, mais qui sont la réalité. C'est toujours une question de comprendre et de savoir l'origine. Dieu merci, si je peux dire comme ça, depuis que nous avons créé Radio Rêve, il y a déjà de bon nombre d'années, nous avions déjà une vision de certaines origines, et bien sûr j'y ai contribué avec les expériences que j'ai faites, évidemment, c'est logique. Mais quelqu'un qui est proche du peuple et qui a besoin d'aider, de comprendre, inévitablement il y a un retour temporel, il y a un retour dans ce qu'il fait. On connaît l'histoire du semeur, celui qui sème la discorde récolte la tempête, celui qui sème difficilement dans les endroits rocailleux a quand même une certaine satisfaction. Et donc, il faut comprendre que au niveau de la création de la Bible même, c'est en réalité une forme de jugement qui s'est fait par la base de Constantin Ier. Constantin Ier est quelqu'un qui a autorisé l'apport, je vais dire, chrétien sur Rome et qui a sélectionné, je crois, quatre évangiles qui seraient de base. Il faut quand même pas oublier qu'il y a eu d'autres évangiles. Il y a eu quand même 72 disciples que Jésus a interpellés, mais il faut savoir que ces 72 disciples donnent tout doucement naissance à la légende des 72 anges qui jouent un rôle. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que la plupart des événements sont retranscrit, mais il y a quand même des informations qui est très similaire à une époque avant sumérienne. Donc avant, 2000 ans avant l'époque sumérienne, où on parle déjà de croyances divines, surtout envers les animaux, ce qui donne naissance à beaucoup de choses, et surtout au niveau de la vache et du taureau, parce que ce sont des animaux qui peuvent apporter beaucoup de choses dans les peuples nomades et ainsi de suite. D'où on retrouve ce symbolisme de ne pas prier un taureau et ainsi de suite. Vous savez, la plupart des légendes, le taureau avec ce fameux labyrinthe, le taureau où on ne peut pas prier quand Moïse descend avec les lois. Il y a donc des significations informatiques, si je peux dire, d'informations qui sont un peu déformées dans une forme d'emprise. Il faut savoir que la première Bible qui a été créée par Constantin était plutôt un aspect très politique qui s'est développé surtout à l'époque du Moyen-Âge, à l'époque de des conquêtes des Templiers, où cette Bible qui avait une force de croyance, de foi, mais aussi de détournement par un apport politique pour gérer et faire une colonisation, je vais dire, de peuples qui étaient contre, évidemment. C'est très complexe, mais on va en parler. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis très longtemps, l'ignorance paye l'ignorance. Il y a toujours eu des gens pour attiser la curiosité, modifier la curiosité pour avoir soit un gain
financier, une notoriété ou je ne sais pas. Très souvent, ces gens, en réalité, volent les idées des autres, manipulent les autres, il faut le savoir. Dans mon cas, j'ai rencontré des gens dans des événements que j'ai faits où j'ai compris qu'ils avaient soit des casiers judiciaires, où on n'était pas capable d'assumer certaines choses. Ce sont des faiblesses, évidemment, mais j'en parle rarement. Plus tard, je ferai une vidéo qui expliquera cette aventure que j'ai eue récemment. Mais il y a des gens, comme je disais, et que je dis souvent, qui sont dans l'ombre, qui travaillent dans l'ombre, qui n'attendent rien et qui sèment eux aussi des informations. Et le temps, inévitablement, inexorablement, joue son rôle à un moment donné. Le tout, c'est de garder, comme je dis dans une vidéo, une de ces vidéos, les chroniques d'une expérience imminente, il faut garder une vision saine, et c'est très difficile dans le domaine de l'irrationnel, du paranormal, garder une vision saine, c'est difficile, parce qu'il y a plusieurs informations qui peuvent tomber, plusieurs théories, des théories qui tiennent la route, et des théories qui sont abracadabrant, mais il faut savoir faire la part des choses, et cette part des choses, c'est toujours en gardant une chose importante, c'est son propre acquis. Il faut partir d'abord, comme dit un ami, de sa propre laine, pour faire ensuite les différentes écharpes. Et il y a évidemment la faiblesse de l'argent, la faiblesse de la notoriété, où on veut vraiment montrer qu'on est dans la course de l'irrationnel. Mais l'irrationnel, la réalité est complètement différente. Il y a derrière tout ça une grande technologie temporelle. Et je l'ai toujours dit depuis 10 ans, depuis que nous avons créé les webconférences, j'ai toujours axé sur la temporalité, sur la synchronicité, et ça n'a jamais fait défaut à l'ensemble de ce que nous faisons avec l'équipe, jamais. Évidemment, il faut pouvoir, et je dis, pardonner à ceux qui ont voulu, pas vous offenser, mais ceux qui ont voulu vous soutirer votre ignorance, modifier vos questions, et prendre sur vous votre argent, ou ça, c'est dans la nature humaine. Nous, depuis les temps reculés, je vais dire, il y a toujours eu ce genre de pratique. Maintenant, le problème, c'est que c'est fait sur des réseaux sociaux, c'est fait sur Internet, c'est fait à la télévision. L'impact, parfois, est beaucoup plus important. Mais le travail dans l'irrationnel, dans le paranormal, dans l'information, dans la technologie, c'est très très souterrain, c'est très complexe, c'est très difficile. Très peu de gens en réalité se mettent à la lumière en parlant « je sais ceci, ceci, cela ». Pourquoi ? Parce qu'ils savent que la société, les médias vont étouffer, modifier, calculer tout ça, et disséquer, et la réalité va se noyer un peu comme un poisson dans l'eau de l'ignorance, de la bêtise humaine. Quand nous avons donc lancé plusieurs projets, l'objectif, et je l'ai toujours souligné, et je pense que dans toutes les vidéos ça a été dit, même lors des conférences, n'était pas une vision financière, ni de célébrité ou quoi que ce soit. Moi et l'équipe, on s'est toujours adressé à vous, vous qui vous posez des questions, qui cherchez à tous vos niveaux. Hein. On n'est pas obligé de chercher dans des grandes sphères célestes le Saint Graal de la connaissance. Non, parfois on peut chercher un événement qui s'est passé dans notre vie et qui a soulevé des doutes, qui a marqué, cicatrisé notre curiosité et c'est à ces gens-là qu'on s'est adressé. Bien sûr, on s'est heurté, évidemment, à ceux qui profitent de tout ça, qui ont besoin d'argent, besoin d'afficher une image, mais
Pour dire une certaine vérité, il faut connaître l'origine. Et l'origine réelle, c'est d'abord une forme de conscience à travers le temps. Et le temps joue son rôle. Évidemment, pour ma part, je ne suis pas non plus un élu, mais j'ai toujours gardé ce chemin qui m'a parfois fait défaut, parce que j'ai rencontré des gens qui ont été, eux, très volontaires, mais qui ensuite ont été embobinés, si je peux dire comme ça, croyant qu'il y avait des histoires d'argent, croyant ceci, et c'était plutôt sur un aspect émotionnel de certaines personnes qui ne trouvaient pas leur place, et qui, par évidemment égoïsme, jalousie, enfin, on a tous nos défauts, mais il faut savoir rester tranchant. Pour ma part, après toutes les expériences que j'ai eues, surtout dans les expériences de mort imminente, émotionnellement, ce genre de niaiserie n'est pas tenu en compte. Il faut avancer. Comme vous voyez, tous les événements que nous avons expliqués ultérieurement se produisent. La nouvelle gestion des armes, la nouvelle sécurité, les nouveaux événements présidentiels. Il faut donc comprendre que la liberté n'existe pas, la décision finale n'est pas prise en considération lors de notre existence. Mais de l'autre côté, il y a cette trace, comme je dis souvent, où vous avez gardé une crédibilité, une sincérité, une clarté. C'est pas facile du tout. Et on en prend très souvent plein la tronche, si je peux dire comme ça, je prendrai ce terme. En tant qu'ancien militaire, je crois que je peux le faire. Mais sachez faire la part des choses. Sachez faire votre examen de conscience. Sachez pardonner aussi. Les défauts, il y en a partout, partout, partout. Rien n'est parfait. Pour que tout soit parfait, il faut quitter le corps et uniquement donner la chance et la compréhension de l'esprit qui traverse le temps, à travers l'histoire, à travers les événements. Ça, c'est très intéressant et c'est là-dessus que je suis parti dans mes acquis à l'âge de 18-19 ans. Et puis j'ai progressé. Oui, je n'ai pas encore fait de livre, j'y travaille avec une équipe, mais je pense, et selon les échos que j'ai reçus, ce livre va quand même vous interpeller, peut-être réellement répondre à vos questions. Pourquoi pas? Alors, je vous remonte le livre qui est ici. C'est le grand livre des NDE. Parce qu'il y a des petits livres. Donc là, ça c'est le grand, et il y a des petits livres comme ça. Pourquoi pas? Et pardon. Et il faut savoir lire ce genre de livre, pourquoi pas, mais toujours garder votre vision des choses, votre acquis personnel, ne pas transformer ou briser vos questions. Sachez surtout encore faire la part des choses de ceux qui vous proposent gratuitement la prise en considération, la prise de conscience sur un chemin très difficile, très très difficile, et suivre des chemins où vous payez, et vous avez une question, et puis une autre question revient, et puis un autre arrive, il vient avec son bouquin, il vous parle de tout et n'importe quoi, il s'est fait du fric, et merci et bonsoir. Voilà. C'est un business. Le monde de l'irrationnel des ovnis est un business littéraire, cinématographique. Les informations, vous devez le garder en conscience. Une très petite minorité de gens, eux, ont mis ça de côté et avancent. Bien sûr, ils feront un livre comme moi, je ferai le livre. Mais je n'ai jamais dit que l'argent des livres viendrait dans ma poche. Non. Eh bien, voilà, il y a des livres que je vais vous montrer régulièrement qui sont intéressants. Pour moi, un livre intéressant, c'est un livre très simple.
pas compliquée, qui va du coq à l'âne et qui tourne dans tous les coins, c'est pas très intéressant. Il faut que les choses soient claires pour que les gens qui sont des simples ouvriers, le petit peuple, comme on dit, mais n'oublions pas que le petit peuple est le ciment de l'évolution. Ça, on l'oublie. Eh bien, il faut que ces gens trouvent des réponses simples, mais surtout efficaces, sans leur demander le moindre centime. Ah, ça, c'est très difficile, hein? Mais pour ma part, moi, je m'engage avec l'équipe qui me suit que l'objectif n'est pas financier, mais simplement de commencer à tirer les sirènes d'alarme, comme on fait depuis des années, sur surtout le réchauffement climatique et surtout ce qui s'est passé après. Et là, je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas besoin d'abonnement, je n'ai pas besoin de vous inventer. Je vous prouve régulièrement ces événements. Alors, une dernière fois, livre intéressant. Moi, ce que j'adore, c'est ce bonhomme-là qui est couché, où on voit les pieds, et qui représente encore et toujours une forme de W. Voilà. Synchronicité, c'est une force extraordinaire. Une énergie imbrisable. Alors, à très bientôt pour une prochaine conférence, une prochaine web, une prochaine vidéo, les chroniques d'une expérience de mort imminente, et je vous réserve pas mal de sujets, de très bons sujets, et sans vous demander de sous-sous. À bientôt.